Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode incroyable de, de LSPDFR, de Madventure. J'espère que vous allez tous très bien. Encore une fois, pour ma part, ça va nickel. Alors j'ai fait quelques petites modifications avant de commencer cet épisode incroyable au niveau de, du M-cocon, hein, c'est-à-dire que j'ai enlevé ce qu'on pourrait appeler du cannabis, mais finalement c'était du blé, et puis j'ai mis des fleurs à la place pour faire plaisir à Créo, parce que du coup il trouvait ça bizarre. Du coup voilà, c'est un petit peu plus végétal et tout. Mais il faudrait que je mette de l'herbe, je mettrai des blocs d'herbe, voilà. Le livre des abonnés, avant de commencer directement l'épisode, petite précision, je vais repasser toutes les pages, mais les gars, ça fait genre, il y en a, ça fait 5 fois vous mettez en commentaire vos pseudos alors que vous êtes déjà dans le livre. Alors regardez bien tous les pseudos, voilà, première page, deuxième page, troisième page. Voilà, par exemple, je sais plus c'est quel pseudo, mais il y en a un qui le dit à chaque épisode, alors c'est super cool, hein, mais du coup tu y es déjà. Voilà, pareil ici, quatrième page. La cinquième page, ça fait beaucoup de pages, hein, mais je vous laisse le temps exprès pour que vous puissiez voir vos pseudos. La sixième page, plus que deux pages. Et d'ailleurs, j'ai ajouté les nouveaux noms, hein, des abonnés. Encore une fois, si par contre, si vous voyez pas dans le livre, n'hésitez pas en commentaire à le dire et comme ça, je vous mets, il n'y a pas de souci. Voilà pour la dernière page. Voilà pour le livre des abonnés. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez retrouver en description... sur mon site internet, et bien tout le livre des abonnés sur internet, comme ça vous pouvez rechercher votre pseudo en faisant F3, donc c'est plutôt pratique si jamais. Voilà, donc aujourd'hui les amis, j'ai un invité, incroyable, un invité phénoménal, un invité fantastique, et pour le thème de l'épisode, vous allez voir, et bien il va falloir que je le cherche. Alors, vous savez que j'aime bien faire des petits cache-cache en début de vidéo, donc il doit être caché à quelque part, le petit coquin. Je me demande bien où c'est qu'il peut être, mais je pense que ce sera vraiment pas compliqué à trouver, très sincèrement. Alors, je sais pas pourquoi, je vais quand même prendre 30 ans à le trouver. Mais je pense qu'il a... Oh, on peut faire du parcours ici. Je pense qu'il a joué le jeu, qu'il s'est mis dans la maison et pas ailleurs, n'est-ce pas? Attendez, là, il a peut-être trouvé un passage secret incroyable. Pas du tout, il a pas trouvé ce passage secret. On l'entend un petit peu respirer, on se demande vraiment c'est qui. Je pense qu'à mon avis, tout simplement... Oh, mais c'est sûr, il s'est planqué là, en fait. À 100%, absolument pas. Ah, peut-être ici. Ah, c'est moi. C'est Totor. Salut Totor. Excellent, bonjour à tous. Ça va les Jones ou quoi? Ça va les Jones. Génération. Bah, J'ai expérimenté un petit peu le sous-sol. Hein, je sais pas du tout pour à qui est-ce que c'est réservé, mais en tout cas, voilà, j'ai expérimenté, donc c'est plutôt cool. Ça va, c'est sympa. On s'y sent bien, ouais, pour le moment. C'est confortable. Écoute, il fait bon vivre. Eh ben nickel. Bah, c'est Marion qui a commencé à faire du coup un sous-sol. Alors, Edith, comment tu vas aujourd'hui, Totor? Écoute, nickel, hein, nickel ou tranquille ou bilou. Hein, je vois que tu m'as mis un nouveau pseudo, donc c'est plutôt pas mal. Eh les amis, si vous voulez lui faire plaisir, parce qu'il faut savoir qu'il m'avait dit un truc en off, ce qui lui fait extrêmement plaisir, c'est qu'on l'appelle Totor. Donc n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas à mettre en commentaire hashtag Totor. Cet escroc, voilà. Ne l'écoutez pas. Et à chaque fois que vous mettez en commentaire hashtag Totor, il répondra à votre commentaire. Voilà. Bah bien sûr, évidemment, évidemment. Oh là là, c'est bon ça. Alors aujourd'hui au programme, d'ailleurs, c'est une idée. Enfin, alors c'est une idée qu'un abonné m'avait donnée. C'était de faire un world tour, mais avec les acolytes concernés. C'est-à-dire, plutôt que d'aller par exemple chez Anaïs et faire « Ouah, elle a fait ça, machin », ensuite aller chez... voilà, c'est ça en fait. Hein. Et ben, tout simplement, par exemple, donc Lydid, qui est l'invité d'aujourd'hui pour cet épisode, eh bien, on va aller sur son île, parce que du coup, c'est une île, hein, et il va tout simplement me présenter son chez-lui. Donc, c'est un petit world tour, mais un peu plus précis, puisque c'est lui-même qui sait quand même ce qu'il a fait. Et puis voilà, il va nous montrer... Oui. Ouais, normalement, ouais. Et ça. Là où est venue l'idée assez sympa, c'est qu'une fois qu'il nous aura fait un petit peu le tour du propriétaire, qu'on aura un petit peu vu tout ça, eh ben, on fera un cache-cache, et je me cacherai, il faudra qu'il me trouve, voilà, c'est incroyable. Voilà, tout à fait. Voilà, en gros, tu as très bien résumé et bah on va voir un petit peu comment ça va se passer. Il y a quelques plans que je pense que où tu vas te mettre, donc ça devrait aller normalement pour te trouver, donc bref, on verra. Mais bien, c'est parti. Tu sais pas, je suis le pro du cache-cache, tu vas le voir. D'accord, ça marche, ok. Écoute, c'est noté. Et bah allez, du coup, vu que tu connais pas le chemin, bah attends, c'est déjà pas par là. Et bah oui. Comment tu sors d'ici? Bah, de toute façon, attends, il faut qu'on fasse slash spawn, hein. C'est pas compliqué. Oui, vrai, hein. Ça ira plus vite en fait. Voilà. Alors, chez moi, où est-ce que c'est? Présente-moi. C'est parti. Et ben voilà, vas-y, je te laisse te mettre. Et ben voilà, nickel. Donc là, du coup, tu arrives. Alors, sur le portail qui n'est pas du tout fait, encore une fois, hein, qui est très joli portail, hein, d'ailleurs, on notera.
Il pue la merde. Bref, donc petit portail qui n'a pas été encore réalisé par mes soins, donc pas encore transformé, n'est-ce pas? Donc voilà, vraiment ici c'est la petite base du spawn. Enfin, c'est vraiment là où vous arrivez en fait, si vous voulez, sur une île, parce que c'est une île un petit peu paradisiaque, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est l'effet que j'essaie de donner. Ça se voit voilà. Pas du tout, hein. Bah, écoute, de ce côté-là, ça va. Bon, il reste encore un bon gros coteau à faire, mais enfin bon. Donc voilà, avec des petits chemins, etc. en grès, je trouve ça assez stylé, avec des petites descentes. Déjà, à première vue, c'est super. Enfin, ça se voit, hein, c'est super coloré, c'est super beau. Là-bas, il y a des trucs magnifiques à voir, mais ça, tu nous montreras. Justement, ça, on verra ça. Voilà. Ouais. Mais non, c'est déjà super sympa ici. Eh ben, écoute, c'est super gentil. C'est super rougit, gentil. Ça y est, Totor, il rougit là. Totor rougit. Ici, on va voir du coup quand je dis notre, mais en fait, je suis tout seul sur l'île, mais bon, c'est pas grave. Notre super portail du Nether. Pareil, pas du tout travaillé encore une fois. Hein, donc, ça, évidemment, okay. Ça viendra. À l'avenir, je pense le repousser forcément et puis mettre la petite déco aux alentours, etc. Le modifier un petit peu. Et attends, ça te téléporte où là dans le Nether? Je sais plus. Le Nether, ça fait une éternité que je suis pas allé. J'ai envie de voir, je suis curieux. Je sais pas du tout. On va aller voir. Hein. Oh waouh. Ça me téléporte. Je crois que ça a du relink. Non, ça a du relink à un autre portail parce que. C'est vrai? Normalement, ouais, parce que normalement, il n'y a plus de quartz autour de moi. D'accord, ah, je connais pas cet endroit, il y a plein de glowstone. Écran incroyable, je viendrai chez toi direct. Non, je rigole. Non, mais en vrai, la glowstone, je m'en sers pas pour l'instant. Donc si tu veux en prendre un peu, pas de soucis, vas-y. Merci, mec. Cool. Mais je t'en prie, c'est normal. Totor, trop gentil. C'est Totor. Non, donc voilà. Bah écoutez, on va faire un petit tour du coup par ce côté-là. Alors là, c'est vraiment le côté un petit peu extrême de la map. Attends, fausse alerte, pardon, on va aller passer par ce côté-là. Ok. Le mec est bien organisé, tu sais, ça se voit, il a bien préparé tout, c'est nickel. Attends, t'as dit côté extrême? Ouais, non, enfin en fait, le côté bordure, côté extrême, donc bordure en fait, si tu veux. Côté. Externe côté plutôt. Là où c'est... Ouais, externe. Extrême, externe. Ouais, externe, c'est mieux. Ah, c'est pas pareil! En effet, ici avec des petits champs du coup, donc là pour l'instant il n'y en a que deux, ils sont encore pas faits parce qu'en fait je veux vraiment les dupliquer, c'est-à-dire je vais en faire, j'en dupliquer en fait en créatif, du coup voilà j'en mets vraiment de partout. Le temps que je capte la vanne. Je vais en mettre vraiment de partout en fait, donc voilà je vais vraiment essayer de les éloigner. C'est sous la flotte du coup, ça peut être bien au niveau de l'utilisation de la place, surtout qu'en fait tout le côté de l'île, je veux vraiment le conserver uniquement pour faire la construction et non pas quelque chose qui va être intéressant pour la survie, bon en dehors des portails évidemment, mais voilà, c'est-à-dire vraiment quelque chose de créatif, purement créatif. Ce côté-là, et ça fait du bien de se promener là-dedans. Alors, c'est pas assez éclairé, les monstres spawnent quand même, donc ça, faut que je règle ça. Maintenant, voilà, ça fait quand même du bien de se promener avec de l'herbe, des fleurs et tout ça, avec des petits arbres et tout, tranquillou bilou. C'est mignon. Voilà, c'est ça. Ça fait cosy. Ici, si tu veux, on peut se raconter des petites histoires qui font peur. En plus, vu qu'il fait nuit, tu vois, tu te mets autour du feu de camp, tu prends des chamallows, tu te fais brûler, tu vois. Des chamallows donc, au chocolat que seul Marion aime. Ah ben, si tu le dis. Voilà, du coup. Avec le petit lac, vraiment, enfin le petit point d'eau. Là, c'est un petit lac. Ouais, un petit lac. Est-ce que c'est un bon lac? En vrai, je pense pas que tu puisses pêcher dedans. On avait aussi. Mais si, regarde. Moi, je vais te montrer. Tu vas voir. 5, 4, 3, 2, 1. 2, 1. 3, 1, 0, 2. 8. Regarde, hop, tu vas et pêcher. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, tu vois, ça c'est le genre de point d'eau en fait où en plein été t'as 45 millions de moustiques en fait juste au-dessus parce que l'eau c'est du stagnant. C'est génial, c'est pas même grave. Et puis du coup, bah voilà, ce côté-là, une petite plage. Alors, comme tu le vois si bien, il y a des mobs, il y a quelques mobs, on va se faire envahir. On va également. Bah, passer, tu veux qu'on dorme en vrai ou. Tous les creepers. En vrai, c'est peut-être mieux en fait, je pense. Par contre, j'ai pas plus. Ah, si, vas-y, viens, j'ai un canap. J'ai un canap, il y a deux places. Je vais dormir dans ton canap. Eh ben rien, vas-y, comme ça on fait la décoration, on fait la maison dans un premier temps. Donc petite déco de la maison, qui n'est pas du tout terminée encore une fois. Voilà, j'ai on va dire bien commencé à faire le rez-de-chaussée. L'étage je n'ai pas encore fait, je vous montrerai pas, il n'y a pas de nécessité dans cette vidéo. Peut-être si Colo voudra faire dans quelques dizaines d'épisodes un nouveau World Tour, je vous présenterai justement ce avec plaisir. Voilà, je t'invite du coup à dormir dans mon canapé, on est très spacieux. J'avais pas capté que c'était qu'on pouvait se coucher dedans, et énorme. Et oui, bon, là-bas c'est pas prévu du tout pour ça, mais ça évite de mettre des blocs pour accéder à l'étage du dessus. C'est rien du tout dessus, hein, c'est juste vide. Ok, ok. Voilà, bah du coup, pendant qu'on en fait l'intérieur, je vais également vous le présenter. Ici, on va arriver du coup dans des petites galeries. Alors pour l'instant, il y a quasiment rien encore une fois, ça va s'agrandir. Et voilà, petite galerie qui donne accès à une petite salle des coffres, ici. Où quelques coffres seulement sont rangés, il y a encore plein d'autres coffres où c'est le bordel. Tu n'ouvriras certainement pas ces deux coffres-là, Mkolo, pour montrer le bordel. Ah, oula. Voilà. Et puis ici, du coup, petite salle d'enchantement, et en fait, c'est la salle de l'armurerie, en fait. On va dire c'est l'armurerie, ici. Voilà. Stylé. Avec les popos, éventuellement, par la suite que je ferai, et table d'enchant, pardon, ici.
et de quoi enclumer le livre. Ça ne se dit pas, mais vous avez compris le sens. Voilà. Stylé, stylé. Voilà, du coup, pour la décoration intérieure, on va dire, donc des petites galeries de la maison. Alors, évidemment, ça va s'agrandir à terme pour objectif. Toutes les galeries vont faire, en fait, les quatre points, on va dire, de l'île, en fait, tout simplement. Alors, là, il y a encore une araignée, je crois qu'elle n'a pas très bien compris que la mairie à faire ici, voilà. Hop, du coup, c'est parti, on va aller voir. Ah, mais ça, c'est marrant, ça dit donc. Pardon, excuse-moi. Alors, tu peux en parler de ces systèmes ingénieux de lampadaires, là, c'est incroyable. Alors, je vais vous montrer en 45,9 secondes l'ingénierie, mon ingéniosité, ça ne se dit pas, mais bref, mon génie de moi-même, en fait, tout simplement, inventé par moi-même, absolument faux. Du coup, c'est des petits lampadaires, en fait, c'est des lampadaires automatiques. C'est-à-dire que le jour, évidemment, les lampadaires s'éteignent et la nuit, les lampadaires s'allument. C'est le principe. C'est fou. C'est automatique. Et ça, c'est grâce à un système de redstone qui m'a pris des heures et des heures de construction. Ah bah ça... c'est absolument faux. C'est juste grâce à un détecteur de lumière qui est juste au-dessus. En fait, voilà, c'est incroyable. Voilà. Voilà. Donc, en dessous, évidemment, il y a des schémas de redstone. Je vais même pas vous montrer, ça ne sert à rien. C'est de la perte de temps. Voilà. Ici, les amis, une petite plage accompagnée des petites tortues là-bas, tout simplement. J'ai installé quelques petites serviettes ici pour pouvoir faire de la bronzette tranquille ou bilou. Normalement, il y a pile le nombre de serviettes pour le pile de nombre de joueurs qu'il y a sur ma aventure. Normalement. Ah ouais. Je crois, si je me suis pas trompé. 1, 4, 5, 6, 7, un monstre. On est plus que 7, non? 1, 2, 3, 4, 5. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, attends. Il y a toi, il y a moi, BXNO, Drago, Créo, Seriac, Tunfu, même ceux qui viennent plus, hein. Ah bah attends, du coup, je rajoute des serviettes alors. Tiamo, Anaïs, ah non, il y en a quand même plus, quand ah même. Ah bon, attends, je vais en rajouter alors. Ok. Je vais en rajouter en tout cas. C'est mignon en tout cas. Voilà. Voilà, c'est ça, une petite, de quoi déguster quelques petites bières à l'ombre. Des petits mojitos, des petites bières, etc. Voilà, de quoi en déguster à l'ombre, tranquillou bilou. Ici, moi là, je peux faire le barman, hein, tu vois, je suis là, tu vois, ah, c'est bon tout, ça. Ça me paraît, c'est assez stylé. Une demi, s'il vous plaît. Ici, également, de quoi se mettre en petite terrasse pour manger, manger un petit plat, un bon petit plat, des bonnes moules frites sur une petite plage. Oh, ça fait plaisir. En plus, c'est que les shaders, en plus, franchement, ça fait un petit peu été, tu vois. C'est mais bien, de quoi. Ouf, ça y est, là, j'ai l'impression que je suis en Charente-Maritime, gros. Énorme. Donc voilà un petit peu la petite terrasse. Et puis bah ici, la première villa en fait, tout simplement, que j'avais construite. Oui. Donc vraiment, première villa, là-bas, ça devait être ma maison, mais au final, j'avais trop petite, et du coup, d'accord. Je sais pas ce que je vais en faire, je vais la meubler, je laisse parce que ça habille, mais voilà. D'accord. Je vais la meubler, ou autre, je sais pas trop ce que je vais en faire. Bah écoute, je vais m'installer ici, non, je rigole, tu sais, je m'installe partout. Bah écoute, c'est le voisin. En fait, je m'installe chez tout le monde. c'est ça. Non, donc voilà, petite villa tranquillou bilou, ici, vous pouvez faire même le petit tour avec les dalles, tu t'amuses. Mais non, parce que je comprenais pas, en fait, les volets, ils se ferment pas. Ouais, non, mais c'est juste, c'est purement de la déco, quoi, c'est, voilà. Et du coup, ici, petite... de quoi faire le tour, par exemple, même ici, par exemple. Ici, je pourrais même faire... Alors, je dis beaucoup de ici, hein, c'est vrai. Je pourrais même, installer un phare de ce côté-là. Et ouais. Pour faire, je sais pas, approcher un navire, etc. Bref, c'est pas une très mauvaise idée. Voilà. Ça, en tout cas, ce seront des projets, on va dire, qui seront évoqués par la suite. Et du coup, je vais vous montrer l'endroit le plus vieux de l'île. Enfin, en tout cas, l'endroit d'octobre, en fait. Le début, quoi, ouais. Le début, exactement. Là, c'est tous mes premiers champs avec tous mes premiers enclos qui sont ici. Oh là là. Donc, évidemment, ça va bouger. En fait, les champs, comme tu l'as compris, ça va être déporté de là-bas sur les champs qui vont être mis sur la flotte, sur l'eau. Ouais. Et puis, du coup, les enclos, je sais pas encore où est-ce que je les mets. Soit je les fous sous terre, ou sinon, je vais faire un endroit avec une écurie, vraiment un côté un petit peu plus agricole sur l'île. Voilà. Ouais, je vois. Mais du coup, tu voudras faire quoi d'ici là, tout ce terrain? Ben ici, en fait, je vais continuer à faire des routes comme ici, et je vais construire en fait des villas un peu partout sur l'île. En fait. Ah ouais. Voilà, pour faire une petite, un petit village, tu vois, regarde, tu te mets ici, t'imagines que voilà, il y a plusieurs villas, tu vois, dans le fond, etc. Je pense que ça pourrait être sympa. Je sais pas, à voir en tout cas. C'est plutôt stylé, c'est fou, hein, parce que quand t'as commencé, il y avait rien de tout ça, il y avait juste. Ouais, c'est ça. Hein. Mais bon, oui, après, attends. Attention, c'est ouais. À la base, bah oui, c'était un village PNJ à la base. À la base, c'est un village PNJ. Ce qui retrace d'ailleurs ça, c'est le chemin d'herbe en fait, ça là. Cette c'est merde, énorme. Ici, ce truc moche. Voilà. Mais tu les as pas respectés, t'as tout cassé. Ah, mais j'ai tout cassé. En fait, j'ai rasé une forêt pour construire un parking à la place. Je pense que c'est pas mal. Et tu sais, non. Je me rappelle, attends, face à ton portail, il est où ton portail?
Il est là. Tout là-bas. Ouais. Il est là. Il est... Vers là, t'avais fait une tente et tout, je m'en rappelle. Là. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, si tu veux, c'est un premier campement. Alors, par contre, je crois la tente. Oui, bah, elle était ici, je crois. Ouais, ouais, c'est possible. Hein. Ouais. En fait, bah, ça, c'était un premier campement. C'est-à-dire que le temps que, je construise ma maison, etc., j'avais installé une petite tente pour dire en gros, j'arrive et je dors là, quoi, en attendant. Quoi. Voilà. Énorme. Bah, écoute, c'est plus. Voilà, cool. Voilà, tout simplement. Écoute, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Il faut qu'on se fasse un petit tour de jacuzzi quand même un peu là, non ? Un petit tour de jacuzzi. Alors oui, bah oui, j'ai pas présenté, mais c'est vrai, il y a la piscine. Alors elle est pas encore faite encore une fois, il y a juste l'eau. Mais je veux dire, le reste c'est pas encore mis. Normalement, je devrais mettre des. C'est pas encore chauffé en fait en extérieur. Mais c'est pas encore chauffé. Bon là, vu le cagnard qu'il fait en ce moment, ça tape en plein dedans. Là, il y a Bob qui est dedans là, tu vois. Donc, voilà. Je vais installer un petit plongeoir, etc., etc. On verra bien un petit peu ce qu'on fait. Fais gaffe, c'est très profond. Hein, ah, je vois ça, j'ai pas pillé là. Ah, voilà, c'est ça en gros. Donc, une petite piscine. Et je vais installer en fait des parasols, tu sais, un peu de partout. Pareil, ouais, des petits transats, etc. Très vraiment bien. Pour que ce soit, on va dire, plus stylé possible, plus que ça fasse un petit peu vacances auquel cas. Voilà, on a tous envie de dépaysement en cette période de confinement. Donc, ah bah là, puis c'est réussi. On a tous envie de partir en vacances, donc c'est un petit peu l'occasion, quoi. Là, je pense que tout le monde en commentaire va mettre « C'est super joli chez Totor ». Chez Totor. Ah, je supporte pas ce mot, enfin, ce surnom. Enfin bref, c'est tout. Je c'est suis ce que tu m'as dit. C'est ça. Voilà, moi, Mkolo, voilà à peu près pour le tour de la première propriété qui a été réalisée sur cette île. Évidemment, il y aura énormément d'évolution, en tout cas, je l'espère. Enfin, en tout cas, c'est pas que j'espère, il y aura de l'évolution. Donc voilà, tout simplement. Eh ben, c'est super stylé de ouf, voilà, ça me fait bien évidemment, non pas complexé, hein, mais c'est vrai que c'est super stylé. Non, mais parce que moi j'ai pris l'option de facilité, c'est-à-dire que du coup je me suis installé chez Marion. Après, moi je vais te dire, j'ai un super projet maintenant, c'est vraiment faire mon dôme sous l'eau là, et je te jure, je suis hypé comme Jaja. Hein. Eh ben écoute, je serai évidemment un de tes plus grands visiteurs, donc écoute, je ne fais que de t'encourager, sérieusement. Merci beaucoup, ça me touche. Ça donnerait presque envie que ce soit le mot de la fin, mais en fait non, parce qu'on va encore faire un cache-cache. On va faire un cache-cache, en effet, tout à fait. Exactement. Ça va être incroyable. C'est toi que je cherche ? C'est toi que je cherche, c'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Comme okay. Ça, puisque toi tu connais, ce sera plutôt sympa. Est-ce qu'on donne une règle, genre j'ai pas le droit de casser ou ça se passe comment ? Ouais, t'as pas le droit de casser, sinon ça va être un peu, je pense. Ok. Mais, t'as le droit peut-être de te camoufler dans le paysage, c'est-à-dire tu peux casser. Te fous pas trop, genre par exemple derrière un mur, tu vois, mais genre tu peux un peu améliorer le paysage, alors sans que ça demande trop de boulot, évidemment, pour te camoufler dedans, tu vois. Voilà. Ok, ça marche. Et ben. Voilà. Je compte où ? Tu veux que je compte où ? Je compte derrière l'arbre qui est ici ? Ouais, carrément. Je vois rien du tout, mais c'est pile. Je suis pile contre le tronc. Ça te dérange si tu comptes 2 minutes le temps que je fasse un peu le tour ? Allez, pas de soucis, ça va, je te laisse. Allez. En attendant. Petite histoire. Non, en fait, du coup, je me posais la question d'ailleurs, quand est-ce que tu comptais, parce que du coup, voilà, t'es à fond dans ta ville et tout. J'ai une voix virile, c'est incroyable, c'est parce que j'ai mal à la gorge, hein, je vous rassure. Soyez pas tous émoustillés par ma voix, c'est normal. Non, ce que je voulais demander, du coup, bah, quand est-ce que finalement tu vas peut-être continuer ta maison, spawn. Ouais. C'est également, en fait, si tu veux, c'est un projet tout à fait que j'ai également à faire. Il faut que je m'en occupe. C'est juste que je te cache pas, j'ai la flemme en fait de la finir parce que, en fait, si tu veux, j'ai pas du tout l'inspi. Donc, je vais peut-être d'ailleurs tout casser, recommencer. Je sais pas. Ok. Non, mais vraiment, en fait, si tu veux, j'ai aucune idée particulière là-dessus. Mm-hmm. Mais en effet, t'as bien raison de me le dire parce que c'est vrai qu'il faut vraiment que je la continue et que je la termine. Donc, ça peut être un très bon projet. Je pense que je vais terminer la décoration intérieure de ma maison, tu vois. Ouais. Et après, derrière, je pense que je vais refaire en vidéo une construction de maison au spawn. Ouais, tu vois, ça peut être... vas-y, tu m'as donné une bonne idée. Allez. Bah, ça fait plaisir. Écoute, c'est moi. Donc, vas-y, je vais faire ça. On fait comme ça. Non, vraiment. Mais bon, après, il faut que je réfléchisse un petit peu, du coup, en solo pour les quelques idées, etc., qu'il me faudrait... Pour construire cette maison, parce que vu que c'est du thème bois, etc. Je suis prêt au fait, hein, excuse-moi, mais tu peux me chercher, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Vu que c'est du thème bois, etc., voilà, faut vraiment que je retrouve un thème en particulier là-dessus. Alors, okay. Par contre, je pense qu'il va falloir juste que tu me dises si je suis chaud ou si je suis froid. Ouais, il n'y a pas de souci, je te dirai. Voilà. Déjà, je te vois pas, donc nickel. Et mets-toi bien en sneak, hein, parce que sinon, on va avoir le pseudo. T'inquiète pas. Je me mets en F1, sinon, comme ça, je vois pas le pseudo, c'est comme tu veux. Ah oui, c'est vrai. Bah, si tu veux, tu peux le faire, mais c'est comme tu veux. Je me mets en F1. Bon, déjà, là, pour te dire, tu vois, je suis dans ma maison. Alors, est-ce que... juste une petite question. Bon, attends, je vais aller voir moi-même, en fait. Ça sera peut-être plus simple.
Ok, ça va. Je me suis dit, c'est bon, t'es pas à l'étage de la maison. Ok. Ah oui, j'ai même pas capté comment on fait pour monter à ton étage. Pour l'instant, c'est pas accessible parce que c'est pas encore décoré. Mais je vais faire l'escalier. Ok, ça marche. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait accessible. Alors, donc là, du coup, je suis dans mon tunnel, salle des coffres. D'accord. Rien pour le moment. RAS, hein, pour l'instant. Alors, si je te casse un mur, tu t'es foutu derrière, ça pourrait, mais bon. Non, je pense que c'est bon. Alors, t'es caché sur toute l'île, bon, uniquement sur la partie où j'ai construit. En tout cas, comme on a dit, j'ai aménagé. C'est-à-dire que j'ai peut-être cassé des blocs, mais je l'ai pas fait en mode abusé, tu vois. D'accord, ok, ça marche. Alors là, on va rencontrer un petit problème, c'est la nuit. Ah. Avec les creepers qui vont spawn, ça va être... Bah écoute, je suis pas dehors, voilà, indice. Okay. Ah, t'es pas dehors ? Voilà. Tu m'as bien compris, je ne suis pas dehors. Alors, tu n'es pas dehors, ok, donc, ok. Ça m'a toujours excité les cache-cache. Bah écoute, mais pas dehors, c'est-à-dire tu lèves tu lèves ta tête, tu vois pas le ciel ou... Notamment, éventuellement. En vrai, je suis super bien planqué parce qu'on peut rien dire, genre j'ai cassé, mais je suis pas derrière un mur. Voilà. D'accord. Je donne beaucoup d'informations. Hein. Alors là, bon, t'es déjà pas dans mon autre ville là, donc ça, ok. Mais en plus, il a AFK, mais bravo. Mais c'est super. Bah tiens, regarde, j'en profite juste, vu que t'as AFK pour redormir, du coup. Ah ouais, c'est pratique ça, c'est bon. Normalement, ça marche, je crois. Alors écoute, le plugin a été totalement pensé pour les cache-cache, notamment. Ah, c'est faux. Ben voilà, c'est pour les cache-cache. Énorme. Alors, comme vous le voyez, j'en profite hein, pendant que je fais la petite recherche, il reste quelques maisons de PNJ, ça va vite dégager. Hein. Ça n'est pas du tout prévu de rester là. Il n'y a aucun... même pas, il en laisse une, quoi. Non. Moi, j'en mettrais une sous terre, peut-être, pour souvenir, mais... Sous terre. Ben ça, c'est encore une autre maison de PNJ. Bon, en tout cas, je te vois plus du tout. Hein. Voilà, je te le dis direct. Tu me voyais, tu m'as vu pendant un moment ou pas ? Ah, dès le début même, d'ailleurs. Dès le début ? Il va falloir que je... Il va falloir que je recentre un petit peu ma concentration. Attends, j'ai compté sur quelle arme ? Sur celui ? Non, j'ai compté sur celui-là. Non, je sais plus. Sur celui-là. Ah, bref. Dès le début, je veux dire, dès le début de tes recherches, quoi, globalement. Ah, dès le début de mes recherches, d'accord. Ouais. Okay. Premier lieu, je suis à ma maison. Alors là... Attends, je m'en mets à F1, de toute façon, je t'ai toujours pas vu. Ce serait pas dans la flotte, parce que sinon, t'aurais déjà perdu de la vie depuis un moment. Là, il y a un zombie noyé. Au début, je pensais que c'était toi. Je fais, ah, non. Ça aurait pu. Là. Écoute, j'ai vu ton pseudo il y a 5 secondes. Ah, je vois ton pseudo. Alors, c'est que tu dois être... quelque part par là. Oh, les conclusions. Attends, mais... Je te vois plus, hein. Eh ben, hey, tu sais, quand on en a parlé, on s'est dit, ouais, le cache-cache, il va pas durer longtemps, on fera plusieurs manches et tout. Au final... Attends, mais... Ah, je te vois. Enfin, je vois ton pseudo. Mais attends, mais c'est pas possible. T'es en dessous de ma piscine, non? Non. Attends, je vais quand même aller vérifier, parce que ça me paraît bizarre, cette histoire. Cette histoire? Ah non, y'a rien du tout. Allez, viens, mon petit Ardennais, là. Mon petit Ardennais, pardon. Mais attends, mais c'est pas possible. Ah, les Totors. Ah, les Totors. Attends, mais... Je t'ai dit, je suis à l'intérieur. Hein. Mais... Attends, mais je suis passé dans ma maison, pourtant, et je t'ai pas vu. Ah, c'est le principe du cache-cache. Mais attends, mais c'est pas possible. T'étais pas à l'étage. Ah, je peux pas trop en dire. Hein. Mais... Il est en train de monter l'étage. Tu me vois là ou pas? Bah ton pseudo, bien sûr. Mais attends, mais c'est pas possible. Non, mais c'est une plaisanterie. Oh mon... Excellent. C'est pas mal. Vraiment, tu sais que j'aurais vraiment pas pu te voir parce que tu sais, même quand j'étais là, vraiment je te voyais pas. Hein. Bah vraiment, j'imagine. Genre, et là, tu vois pas en fait le bloc qui est cassé en fait. Tu vois. Ah ouais. Ah bah là t'as quand même été un peu aveugle quoi. Bah genre non là... parce que regarde, genre là t'es là. Non. Mais dans ce sens-là, ouais. Du coup tu vois c'est qu'il y a une modif, mais de ce côté-là. Mais Totor. Tu fais pas forcément Totor. Tu vois. Toi t'es revenu par là après. T'étais venu et puis hop t'as rien vu. Allez salut. Bah oui.
Oui, c'est vrai, parce que pour moi il y a pas de planque en fait ici. C'est ouf. C'est vrai, ça. Ah, je suis fier de moi. Ah, je me suis fait avoir là. Là, je me suis fait avoir. Tu veux qu'on refasse une manche ou quoi là? Eh ben, vas-y. Vas-y. Je me cache du coup ce coup-ci ou. Eh ben, vas-y. Je cherche ou pas? Ok. Bah, en vrai, pour changer, pourquoi pas. Vas-y, attends, je me mets là. Hop. Et voilà. Ouais, mais du coup, tu vas entendre si je me mets dans la salle des coffres ou pas. Ah, bah attends, je vais ailleurs alors. Vas-y, mets-toi à côté de l'arbre où j'ai compté tout à l'heure. Vas-y, ça marche. C'est un peu de la triche, ça, monsieur. Mais je vais le faire. Mais non, vas-y. Hop, voilà. Regarde. Là, voilà. Je me mets en F1 aussi, comme ça, je verrai pas. Nickel, parfait. Ok. Alors. J'ai zéro idée, mec. Vraiment, j'ai vraiment zéro idée. Que dalle. Écoutez, en attendant, on passe un bon temps à regarder cet arbre. On se rend compte que les shaders, ça rend quand même magnifique le jeu, pour le coup. Ça rend le jeu très splendide. Hein. Très splendide. J'ai l'impression que c'est la réalité en plus, d'ailleurs, ce que je vois. Oh là là. Oh, ça y est. Attends, je pense avoir à peu près trouvé. C'est vrai? Attends. Ne bouge pas. Ne bouge pas, mon gamin. Régale-moi. Hop. Allô, c'est Mémé, t'es prêt? Normalement... Allez, vas-y, c'est bon, je suis chaud. Allez, Totor, je vais te chercher. Prêt ou pas, j'arrive. Alors... Oh, j'adore, c'est excellent, c'est excellent. Alors là, du coup... Et là, franchement, là, si tu me trouves... Oh. Ça va me dire, me trouver en 10 secondes, tu sais. Arrête, je suis sûr que ça va être dur, du coup. Non. Je vais laisser 30 secondes, et puis après, on donne les indices au fur et à mesure. Ouais, tranquille. Bon, de toute évidence, il faut que je commence par en bas parce que... T'es en F1 là du coup ou pas? Ouais, je suis en F1, ouais. Ok. Parce que je me déstique, parce que sinon c'est chiant. Ok, du coup je vais remettre le F1 quoi. Non, je... Ah non. Vas-y, c'est bon, je reste en stick pour le fun. Ok. Oh, un coffre. Je l'avais pas vu celui-là. Alors... Attends. Remets-toi en F1. Pourquoi? Je vais faire une petite modif, ça va être plus intense pour moi. Ah mais je suis déjà en F1, bon. T'inquiète. Depuis tout à l'heure, je... Ok. Bon, donc du coup, de toute évidence, t'es pas en bas. Ah bah peut-être pas. Ça fait 30 secondes, hein, tu peux me répondre à cette question, hein. Donc non, je ne suis pas en bas. Enfin, pas dans la salle des coffres, en tout cas. Ah, donc t'es en bas, d'accord. Non, pas en bas tout court. Sinon, ça va durer trop longtemps. Ok. Ah, tu serais plutôt l'inverse, en haut. Je suis pas à l'étage, parce que l'étage est pas fait, du coup j'utilise pas ce coin de la map. Pourquoi il y avait une trappe ouverte là? Mais pourquoi il y a des trappes ouvertes encore là? C'est chelou ça. Ah, c'est Marion qui t'avait troll encore, c'est ça? Ouais, c'est possible, ouais. C'est... en vrai c'est possible. Ouais. Ok... Bonsoir... Alors j'aime bien les cache-cache quand je me cache. De toute évidence. Bah là pour l'instant je te vois pas, hein. Donc c'est que tu dois être loin je pense. Depuis tout à l'heure tu me vois pas? Ah pas du tout. Ah, bon on est d'accord t'es pas du tout donc... Non je te pose pas cette question, je me garde le joker encore. Parce que c'est évident que la réponse c'est celle que je pense si tu m'as pas vu. Et merci les shaders qui font bouger un petit peu le décor. Je n'en dirai pas plus. Et merci. Parce que là j'en ai déjà beaucoup dit. Oh t'as rien dit du tout gros. Tous ceux qui sont sur le visu, sur ma vision du coup, ouais. Ils doivent avoir un sourire aux lèvres, tu sais. Avec l'indice que j'ai dit, c'est énorme quoi, vraiment. Ouais. Ah ça c'est parce que t'es... Mec, ça veut dire que t'es dans des hautes herbes. Pas forcément. Ouais. T'es dans les arbres. Pas forcément. Ok. Ok. Je te vois toujours pas, hein. Je vois toujours pas ton pseudo ni rien. Ok, très bien. Mais c'est incroyable, donc depuis tout à l'heure tu me vois pas? Pas du tout. Pas normal ça. Voyons voir. T'es par là? Par là, je sais pas, je te vois pas. En fait, je vois même pas dans quelle direction tu es en fait. Allez, je vais donner un indice. De ma vision, je vois un peu de bois. Waouh! Wow. Je vois un peu de planche, je vois un peu d'escalier. D'escalier. Ah, je vois ton pseudo. J'ai entendu un truc d'XP, mec. Ah, c'est pas moi. Ok. Par contre, je vois toujours pas ton pseudo. Bah, t'as dit que tu l'avais eu. Non, c'était une fois ça. Mais wesh, mais en fait, t'es pas. Le décor, il y a beaucoup de vent, du coup, j'ai du mal à voir. Il y a beaucoup de vent. Mais c'est pas possible, ça veut dire que t'es.
Je suis quand même sur le côté où j'ai plus ou moins construit. Enfin, je suis quand même. Voilà, je suis quand même. Ok. Bon, là, tu vas forcément voir mon pseudo alors. Saute un coup pour voir. Bah, j'avance là. Non, je te vois toujours pas. What? Alors, va pas forcément là où il y a ma maison et tout ça. C'est pas là. Bah, je suis dans toute la zone que t'as construite et là où il y aurait alors, du vent. Va un peu plus loin, va un peu plus loin quand même. Un peu plus loin? Ouais, va un peu plus loin que là où j'ai construit plus ou moins quoi. Ouais, est-ce que c'est en bord de mer? Non, pas en bord de mer. Mais pourquoi il y aurait du vent? Non, mais c'est les shaders qui lui donnent du vent. Ouais. Oh, bonsoir! Mais quel escroc depuis tout à l'heure, tu me vois? Bah non, parce que regarde, mets-toi ici, en sneak. Regarde, tu vois pas, tu vois que les herbes en fait. Tu vois. Coquin. Voilà. Bravo. Voilà. Et ben ça c'est de la cachette, ça, dis donc. Hein. Eh ben voilà, tu vois, c'est une petite cachette tranquille et visible, mais voilà, bien cachée. Ah, voilà. J'ai quand même préféré la mienne. Hein, Bon, voilà, écoute, même colo. Eh ben parfait, ben, on va s'en arrêter là du coup. Eh ben, je pense que c'est déjà plutôt pas mal hein, pour un épisode visite et cache-cache, c'est plutôt pas mal. Eh ouais, c'est plutôt cool. N'hésitez pas en commentaire à dire si c'est une bonne idée ce genre de vidéo, enfin d'épisode. Et puis voilà, on se tient au jus. Hein, On se tient au jus et Jones. Hein, et Jones. Voilà. Bon bah nickel. Bah écoutez, est-ce que t'as un dernier mot, Mkolo, à dire? Est-ce que t'as quelque chose d'autre Que évoquer, ton île est stylée et vive Totor. C'est gentil. Ah bah c'est gentil. Encore une fois, Mkolo, je le dis de vive. Et la lumière fut. Ah mais, et la lumière fut. Oui, un petit peu cette ingénierie des lampes de Redstone, excellent. Donc écoute, je te le redis encore une fois de vive voix. Je le dis en vidéo devant tout le monde comme ça, pas d'hypocrisie ni rien. Merci encore une fois de m'avoir invité sur votre aventure. Je m'éclate comme tu le sais. Et j'espère qu'il y a encore beaucoup de projets et de vidéos faites dessus par tout le monde en tout cas. Voilà. Eh ben écoute, Totor, c'est ce que j'espère en tout cas et c'est ce que je pense en tout cas. C'est ce qui va se passer. Voilà, grand plaisir. Eh ben super. Eh ben écoutez les amis, merci à tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas avant de partir de liker, commenter cette vidéo. Donnez-moi encore une fois vos avis. Enfin, donnez-nous vos avis quand Mkolo vous a demandé par rapport au cache-cache. N'hésitez pas à aller voir la vision d'Mkolo par rapport à ça. Ça peut être très bien pour le cache-cache. Et oui. Et puis surtout pour la visite, etc. Parce qu'on a pas du tout le même point Mater de vue. Voilà. Les deux points de vue, voilà quoi. Exactement. Et puis ben, surtout vérifiez bien également que vous êtes abonné à la chaîne avec la petite cloche d'activer. Voilà les Jones, bisous à tous. Merci à toi Mkolo et puis à bientôt. À bientôt, ciao ciao. Allez, ciao ciao. Les Jones. Oh là là, une force hein.